For me, it's many things. When I wrote it, I had a few different sort of themes and sort of symbols in my mind, and then I also think there are things that are subconscious. So there are many things for me. I like the idea that it could be more than one thing, and I think depending on who watches it, I've heard many different interpretations of it. So that's a valid one, and I think there are others. Oui, peut-être ça peut effectivement être le sida, pourquoi pas. En fait, nous dit-il, ça peut être beaucoup de choses finalement. Lorsque j'ai écrit le scénario, je pensais moi-même à beaucoup de choses que cela pourrait représenter, être, symboliser. C'est finalement ouvert à l'interprétation des spectateurs. Je crois que c'est vraiment un niveau subconscient, c'est pas quelque chose de vraiment clair, ni de ma part, ni de la part des spectateurs. C'est ouvert à l'interprétation, et je pense que c'est plus qu'une seule et unique chose. I'm a huge horror fan. I'm a big film fan in general, so I like all kinds of movies. In terms of horror, I wanted to try to do something that reflected back on sort of what I view as classics. Cat People, a lot of Carpenter, Cronenberg. I love a lot of old Universal monster movies, like Creature from the Black Lagoon. There's a ton. I don't know that there was a moment I was looking at one scene and thinking, I'm specifically referencing this, but I rewatch all those movies all the time. I watch them, giant stack of my sort of favorite horror films before making it, and I think that just comes out. Mais donc la question portait sur les formes géométriques que l'on voit dans le film, ce découpage, ce fait de revoir toujours le mélange des formes horizontales et verticales qui rappelle beaucoup, par exemple, certaines séquences des films de John Carpenter ou de Jack Tourneur ou Cat People. Est-ce que ça faisait partie des références que le réalisateur avait en tête lorsqu'il a fait le film? Il nous dit qu'effectivement, ces références spot on, c'est-à-dire que c'est exactement le genre de film, voire les films que j'avais en tête. Et le réalisateur nous dit que lui-même est un grand fan de films d'horreur. D'ailleurs, c'est un grand fan de films en général. Il est vraiment cinéphile, il aime beaucoup les films d'horreur, et il a été évidemment influencé quelque part parce qu'il a beaucoup regardé des films de Jack Tourneur, de John Carpenter, de David Cronenberg, Cat People, etc. Ça faisait vraiment partie des films qu'il a vus et revus et re-revus, et qui donc forcément se sont insinués en lui et d'une manière ou d'une autre ressortent maintenant dans le film qu'il a fait, que vous avez vu aujourd'hui. The pool scene is clearly a direct reference to Cat People. I mean, that one is for sure. Et la scène de la piscine est clairement une référence à Cat People. Important, just along with the sound design in general, a lot of that certain sound references were built into the script and were always important to me. Regarding the music, I had played a video game a few years ago. It's called Fez, and I was so in love with the music from the game that I just thought it was incredible. It was some of the best stuff I'd heard in a long time. I looked him up, the composer, got in touch with him and said, "Hey, I'm trying to put this horror film together. Would you be interested in scoring it?" And he was, and that's a disaster piece. And so we talked about it for a long time. We talked about a lot of things. All the sort of electronic scores throughout horror films, of course, from Argento and Carpenter, and then also Blade Runner score, Vangelis. That I wanted it to be a combination of something that was both melodic and then something that was almost an assault in terms of playing with like controlled noise in a way. It was just a collaboration in terms of Disaster Beast. He's incredibly talented and wrote some really great music, and it was just a dialogue and conversation. Oui, c'est vrai que pour moi la musique est importante, mais au-delà de ça, je dirais que l'environnement sonore du film est très important, que la musique ou les effets sonores, etc., le son est important dans ce film. Et en ce qui me concerne, un jour, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Fuzz,
Et puis je trouvais la musique vraiment, vraiment superbe. Et je me suis dit à un moment donné, je vais regarder qui l'a composé. Il a trouvé le nom du compositeur, il l'a contacté. Il lui a dit, bah, écoute, je suis en train de travailler sur un film d'horreur, est-ce que éventuellement ça vous intéresserait de faire la musique? Et il se trouve que ça l'intéressait. Et donc c'est lui qui a fait la musique du film. Et on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté de l'aspect également musique électronique que l'on retrouve dans pas mal de films classiques de science-fiction, de films d'horreur, de Dario Argento, de John Carpenter, ou la musique de Blade Runner, la célèbre musique de Vangelis. Et donc on a beaucoup discuté de cela, c'était vraiment un dialogue qui a donné naissance à ce film où parfois le son, la musique a presque des allures d'assaut sonore, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comme... il a appréhendé cette musique, donc cet environnement sonore, presque comme un assaut musical, comme une vraie violence. Et voilà, c'est ce qui m'a plu dans le travail que nous avons eu avec ce compositeur. Monsieur, juste à côté. Bonjour, moi j'ai une question justement par rapport au virus sexuellement transmissible qui habituellement on nous apprend à se protéger, donc on se protège pour que ce ne soit pas transmis, mais là dans votre film justement c'est le contraire, donc est-ce que ça a un symbole particulier pour vous, c'est-à-dire que là il faut faire l'amour pour justement perdre cette chose qui est un virus finalement? Well, for me to just say one specific thing that the message is, I think, would deflate the film, and I could never say one particular message. I would hate to personally do that, but you know, my goal with the film is not. I can say it's not a goal to make some sort of puritanical statement for sure. And I always sort of like the idea that this is a it's some sort of a you're sort of put in danger through sex, but at the same time, then the sex is a thing that also liberates and frees you, potentially, at least in the short term. So, you know, to say any more, I think, again, would take away of what I think is so fun about a concept like this in a movie. But I think it's fair to say that there are, you know, sort of multiple meanings and I think it just depends on, for me it depends on the viewer. And I have my own personal ideas, but I don't want to say them. Oui, il nous dit qu'effectivement, effectivement, quelque part, le message de mon film, ce que j'ai voulu peut-être dire par rapport à ça, eh bien, je crois que ce serait réducteur. Je préfère ne pas donner de message. Voilà, c'est vrai. Encore une fois, c'est ouvert à toute interprétation, la vôtre, pourquoi pas. Mais en ce qui me concerne, je dirais simplement qu'effectivement, faire l'amour, le sexe, donc dans le film, tel qu'on décrit, ça peut être un danger, mais c'est également quelque chose, et dans la vie, c'est également quelque chose de très libérateur. Même si c'est sur un temps très court, c'est quand même libérateur. Donc moi, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est un danger qui nous libère aussi. Mais je trouvais quand même cette idée, l'idée que vous avez évoquée, finalement assez drôle. Et c'est un élément, voilà, le concept dans le film, c'est un élément qui me paraît moi assez drôle. Mais encore une fois, le film a plusieurs points de vue différents et plusieurs explications possibles, potentielles. Et je préfère, moi j'ai mon idée, je sais ce que je pense par rapport à ces thèmes et à ce thème en précis. Mais voilà, je laisse cela ouvert et libre à vous d'en tirer les conclusions que vous, qui vous sembleront pertinentes. I just think that the some of the magic of a film can be gutted by the filmmaker explaining. So that's just to sort of clarify. Je pense que la magie que l'on peut ressentir à la vision d'un film et tout ce qui fait partie de presque de l'indicible, lorsqu'on voit un film, ce qu'on ressent, etc., peut être amoindri par tout ce que je pourrais dire. And the film is a nightmare, and to try to explain a nightmare is, I think, impossible. It sort of defies logic. Et le film tel que je l'ai fait, c'est un peu comme un cauchemar quelque part. Et essayer d'expliquer vraiment un cauchemar, c'est très difficile, et voilà, il n'y aurait pas vraiment de justification. Donc.